Alors aujourd'hui, ils annoncent 7 degrés ce matin, avec des éclaircies dans la journée, mais c'est une journée qui sera quand même mitigée. Patrick Léauté ne regarde pas la météo pour savoir comment s'habiller, mais parce qu'il est directeur du secteur alimentaire d'un des plus grands supermarchés d'Île-de-France. Et la météo, c'est l'un de ses baromètres de vente. Je ne le fais pas tous les jours, mais au moins 2 à 3 fois par semaine pour voir un petit peu les tendances et surtout préparer le week-end où là, on a une grosse affluence client. Aujourd'hui, le directeur est satisfait. La journée est ensoleillée et surtout le samedi suivant s'annonce beau et chaud. Alors avant l'ouverture du magasin, qui peut brasser jusqu'à 16 000 personnes en une journée, tout est mis en place pour mettre en valeur les produits de saison. Des produits qui devraient se vendre comme des petits pains. Tu enlèveras bien tous les cartons dessus et c'est du bon. À commencer par les chips. Une opération spéciale sur ce produit un jour de beau temps, c'est un succès garanti. C'est un produit qu'on va vendre à 1,75€. On va vendre à peu près 700 pièces aujourd'hui. Donc il suffit de faire la multiplication. Voilà, on va faire à peu près 900€ sur cette tête de gondole aujourd'hui, entre 900 et 1000€ même. 900 à 1000€ par jour, tout ça grâce au soleil. Car oui, la météo influence nos achats et peut faire la pluie et le beau temps sur la grande distribution. Notamment parce que près de 70% des produits vendus en supermarché sont météo-sensibles. Il fait chaud, il fait très chaud, vous allez consommer plus de glace. Mais il y a aussi des produits qui paraissent moins sensibles, en tout cas, à la consommation. C'est par exemple les boissons rafraîchissantes et c'est tous les sodas, notamment, que vous allez consommer quand il fait un temps avec des corrects, voire normales, sur la période printemps-été. Alors pour nous encourager à consommer lorsque le temps nous y incite, la grande distribution a ses techniques. Promo, mise en avant des produits saisonniers, mais pas uniquement. Vous avez des ventes qui vont se déclencher naturellement. Et puis vous avez des ventes aussi qu'il faut vraiment pousser. Un exemple précis, une grande enseigne de bricolage. On est en juillet 2015, c'est la canicule. Bah, à l'entrée de leur magasin, ils mettent tous les ventilateurs et ils mettent les prévisions météo, surtout avec les températures sur les 10 jours. Et là, vous vous dites, consommateur, ah bah, il va faire chaud très longtemps. Est-ce que j'ai pas intérêt à m'acheter le ventilateur aujourd'hui avant qu'il n'y en ait plus ? Et pour optimiser toujours plus leurs ventes, quand le temps le permet, des sociétés se sont spécialisées dans ce qu'on appelle la business intelligence climatique. Comme c'est le cas ici, à Paris. Pour des contrats qui vont d'une centaine d'euros par an pour des petites entreprises à des milliers d'euros pour les mastodontes du secteur, ils fournissent bulletins météo précis et conseils pour maximiser les ventes selon le temps qu'il fera. On leur fournit des informations météo, mais pas celles qu'on trouve gratuitement sur Internet, évidemment. Sinon, ils ne paieraient pas pour avoir ces informations. Ce sont des informations contextualisées, beaucoup plus précises, beaucoup plus professionnelles et adaptées à leurs problématiques. Ajoutez à cela, l'entreprise propose des outils qui modélisent l'impact de la météo des prochains jours sur leurs ventes. Ça leur permet, in fine, d'avoir toujours en magasin le bon produit au bon endroit pour le bon client, sans rupture, ce qu'on appelle rupture, c'est-à-dire des stocks trop peu importants ou sans surstock, parce que le stock, à la fois, ça coûte cher et à la fois, dans les magasins, il y a de moins en moins de place. Et ces conseils sont très précis. Exemple avec les eaux pétillantes. Sur ce graphique conçu pour une grande chaîne de magasins, on peut voir qu'avec l'augmentation de la température, la vente de ces eaux est croissante. Entre 20 et 22 degrés, on commence à avoir une petite hausse des ventes. Et c'est vraiment à partir de 22 degrés que là, ça augmente vraiment de façon exponentielle. Et lors d'une canicule, c'est jackpot. Les eaux gazeuses se transforment en mine d'or pour le distributeur. Par exemple, on prenait une semaine à 33 degrés, ça peut générer jusqu'à 400 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire uniquement sur ce type de produit sur la semaine. Mais attention, une météo imprévisible peut aussi coûter très cher à la grande distribution. C'est ce qui s'est passé à l'été 2016. Lors d'un mois de juin anormalement pluvieux, les grandes surfaces ont enregistré 145 millions d'euros de pertes, car de nombreux produits saisonniers ne se sont pas vendus. Par exemple, les insecticides, bah, vous achetez pas. Par exemple, les crèmes solaires, vous achetez pas. Par exemple, tous les produits de barbecue, vous achetez pas. Des ventes que la grande distribution n'a jamais rattrapées. Mais aujourd'hui, certains de nos supermarchés sont assurés contre ces aléas climatiques. Depuis un an, Marjorie Covin est à la tête d'une de ces assurances spécialisées. On peut assurer une baisse des ventes de soupe si on a un hiver doux. On peut assurer une baisse significative des ventes de glace si on a un été frais. Et pour déterminer si préjudice il y a, les contrats stipulent les cas où le temps dégrade les ventes, toujours en accord avec le client, c'est-à-dire la grande distribution. On va analyser donc l'impact de la météo sur son activité passée et déterminer avec lui
quel est le paramètre le plus important qu'il faut retenir donc, dans le produit d'assurance? Le paramètre pouvant être la température mini ou maxi, la pluviométrie, un excès d'eau, une sécheresse, voilà, tous les types de paramètres météo que l'on peut, qui existent sur le marché. Impossible de connaître les prix de ces contrats, qui sont relativement nouveaux sur le marché, mais qui ont un bel avenir devant eux.